Troisième partie de l'explication technique de Kaitenage. Le point important sur Kaitenage est vraiment l'angle de coup, l'angle où la grande roue va être réalisée en arrière du quai. Pour ça, un des riai importants ou un des riai qu'on peut mettre en avant est la technique Sankyo Ura ou Sankyo Enkawaza. Maître Saito, à partir de Shomenuchi, montrait un nombre important de travail Sankyo pour arriver dans cette position. Ici. Ici. De nombreuses possibilités. Directement ici. Etc. etc. Si là on est dans un travail propre à Sankyo, la suite du mouvement va être la même pour Sankyo et Kaitenage. Quand vous allez réaliser Sankyo, on va prendre Uchi Kaiten Sankyo pour être encore plus proche. Je passe. Je tourne. J'arrive dans la même position. Sauf qu'au lieu d'être à l'intérieur, comme on a vu sur la vidéo précédente, je suis cette fois sur le dos de la main. C'est moi qui le tiens, Sankyo. À partir de là, si je coupe vers l'avant, je n'aurai pas de déséquilibre. Si je coupe sur le côté, il va tourner, mais il ne va pas descendre. C'est le problème qu'on a mis en avant dans la partie 2. La tête est loin, je ne pourrai pas la descendre. Je vais travailler, n'oubliez pas, avec cet angle, avec cet arrondi, et je vais créer le vide. Et une fois que je crée le vide, regardez, ça descend, son coude, son épaule. Et ma deuxième main, sur Sankyo, au lieu de venir sur la tête comme pour Kaitenage, vient sur le coude et je descends. Et là, la technique est finie. Pas plus, pas moins. L'enroulé vers l'arrière amène le bras en poussée sous la main. La main à aucun moment ne vient chercher. Et c'est le travail commun qui fait qu'au moment où la tête sur Kaiten ou le coude ou l'épaule sur Kokyu est là, alors la poussée se fait vers le bas. Et c'est pour ça que la rotation deviendra impossible. Ici, je tourne et au moment où ma main est prête à pousser avec la force de la jambe arrière, le coude est là et je descends vers le bas. Le lien avec Kaitenage est exactement le même. Katate Dori. Et ici, au moment où il est en bas, la tête vient pour être emmenée vers le sol. Forme pédagogique, je fais chuter doucement.